La vie de Marie-Élise Guédot aurait pu s'arrêter un soir de mars 1998. De retour de son cabinet situé dans le quartier Gbegamé, au Bénin, elle est prise à partie devant son domicile par une demi-douzaine d'hommes armés. Ces derniers ouvrent le feu alors qu'elle est encore assise dans sa voiture. L'avocate est grièvement atteinte de 5 balles, dont une dans le thorax. Les malfrats l'extirpent du véhicule, ainsi que son fils, alors âgé de 7 ans. Puis il s'enfuit au volant de sa voiture, la laissant pour morte. La justice mettra finalement la main sur 4 malfrats, jugés et reconnus coupables de vol, de coups et blessures volontaires. Ils ont été condamnés en 2012 à 15 ans de travaux forcés. Marie-Élise Guédot est la première femme candidate à une présidentielle au Bénin. En mars 2001, très critique envers l'ancien président Mathieu Kérékou, Marie-Élise Guédot fait sensation au Bénin en se portant candidate. Elle centre sa campagne électorale sur la promotion des femmes en politique et la lutte contre la corruption. Elle ne recueillera cependant que moins d'1% des voix. Celle que l'on surnomme l'Amazone se représentera également en 2006 et en 2011. Elle essaiera à nouveau en 2016. Marie-Élise Guédot a été 2 fois ministre. En mai 1998, 2 ans après le retour au pouvoir de Mathieu Kérékou, l'avocate est nommée ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme. Mais son emploi sera de courte durée. Elle est limogée en juin 1999 en raison de sa liberté de parole qui aurait porté atteinte à la cohésion gouvernementale. Elle fera ensuite son retour sous le président Boni Yayi, occupant notamment le portefeuille de garde des Sceaux de mai 2011 à février 2013 et aussi celui du commerce de février à août 2013. Marie-Élise Guédot est née le 29 décembre 1954 à Mankono, en Côte d'Ivoire. Elle obtient à l'université de Paris Panthéon un DEA en droit des affaires. Elle installe son cabinet à Cotonou en 1989, devenant la 4e avocate du barreau béninois. Elle se fait rapidement un nom dans la profession. Divorcée et mère de 2 enfants, c'est une chef de famille très rigoureuse envers elle-même et autrui. Aussi est-il de notoriété publique que les maris candidats au divorce craignent de la voir en face d'eux à la barre.